Wow. Bonjour au peuple gabonais. Bamba Ngouambula. Mais je ne sais pas si vous voyez la vidéo qui doit devenir virale sur les réseaux sociaux du jeune garçon qui tape sur un petit, je pense bien que c'est à Wolumi. C'est vraiment dangereux. Nous qui avons des enfants à bas âge là, qui ont 9 ans, 10 ans, qui seront sûrement qui auront eu l'entrée en 6e, on a même vraiment peur. Parce qu'avec de tels comportements comme ça. On va lui dire que oui, le président de la République a tapé la main sur la table, on a fermé les TP. Ok, il n'y a pas de problème. Mais monsieur le président, avec des situations comme ça, le ministre de l'Éducation doit être sanctionné. Le proviseur de ces lycées doit être sanctionné. Le surveillant doit être sanctionné. L'élève lui-même sanctionné. Les parents même de cet enfant doivent prendre des blâmes. Parce que ce n'est pas possible. Mais le gars, c'est un agresseur. Ce n'est pas un enfant laissé au milieu des autres enfants. Il ne mérite peut-être pas la prison, mais il mérite une sanction sérieusement. Voilà. Vous êtes là, tu viens de dire, oh, on envoie les enfants à l'école, mais il n'y a aucune sécurité pour nos enfants. Et quand vous vous rendez compte que le père de ce petit garçon que l'on est en train de taper là, s'il réagit comme cet enfant sur l'autre enfant, on va dire quoi? Que c'est un père inconscient. Mais ça fait mal de savoir que tu as envoyé ton enfant à l'école et qu'il y a un grand qui le maltraite comme ça. Non, là, c'est pas bon. Cette vidéo, vous devez la partager et trouver le père de cet enfant pour qu'il puisse lui-même aussi sanctionner son enfant et que le gouvernement puisse sanctionner son père. Donc, madame le ministre doit aussi être sanctionnée. Le proviseur est sanctionné. Le professeur même qui enseigne dans cette classe doit être aussi sanctionné. Et le surveillant aussi sanctionné. Attends, les enfants, les gens, ce ne sont pas des cobayes. C'est ça l'école au Gabon. C'est n'importe quoi. On vient de nous dire que, oh, machin, 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 ceci. Le tout n'est pas seulement d'aller vous mouiller à port gentil pour montrer que non, vous respectez l'autorité, mais montrez aussi que vous respectez aussi les enfants. Ça, c'est un pays des deux. Franchement.